Salut les sportifs, aujourd'hui c'est un grand jour, on est dans le Verdon et je vais faire pour la première fois une randonnée aquatique, celle qui est au niveau du point sublime de Samson. Alors, cette randonnée aquatique, vous pouvez soit prendre un guide, ça coûte 50€, soit la faire en solo. Si vous la faites en solo, sachez qu'il y a une réglementation particulière. Il faudra suivre des chemins quand vous êtes sur la partie terrestre pour ne pas abîmer la faune et la flore. Et pareil, quand vous êtes dans la rivière, utilisez un flotteur pour éviter tout simplement de marcher et d'abîmer les fonds. Voilà, allez, c'est parti! Au niveau de l'accès, je vais vous mettre toutes les infos dans la description, mais sachez que la rando aquatique, elle commence quand vous êtes au pont qui est juste derrière moi. Le floating, ça a vraiment du bon. On se laisse aller, tranquille. Et on profite. À 360 degrés. À l'intersection entre le chemin de randonnée du Grand Sublime du Grand Martel, et vous pouvez faire une petite pause. Arrivez au chaos de rocher qui est juste derrière moi, contournez-le vers la droite et c'est OK. La rando aquatique, elle se termine quand vous arrivez au niveau du saut qui est juste derrière moi. Souvent, il y a un photographe qui est placé à cet endroit, donc surveillez bien et ensuite il faut juste remonter. Je vous conseille de la faire plutôt le samedi ou le dimanche parce qu'avec le chassé croisé, c'est là où il y a le moins de monde. Allez, profitez bien et bon canyon à tous!